Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la chaleur n'a pas trop écrasé votre week-end. En tout cas, je suis là pour vous apporter un petit peu de bonheur et de fraîcheur avec le meilleur de l'actualité JV, servi toujours ici même dans votre bistrot du jeu vidéo au quotidien. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que le menu est quand même particulièrement varié puisque, entre autres, on va revenir un petit peu sur l'avenir potentiel des consoles Xbox. Parce que c'est vrai qu'on a entendu Phil Spencer souligner à de nombreuses reprises qu'il ne devrait pas y avoir de Xbox Series Pro. On va l'appeler comme ça, à savoir donc une console mid-gen, un peu comme la PS5 Pro. En revanche, il y a des bruits de couloir, des rumeurs qui indiqueraient qu'une Xbox Series X nouvelle version avec un petit changement notable, serait dans les tuyaux. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ce qui me rend bouillant aussi, c'est pas la chaleur, c'est le fait que, visiblement, F-Zero serait de retour sur Nintendo Switch. Et là, franchement, va falloir me retenir, si c'est vrai. En tout cas, on va essayer aussi d'y voir un peu plus clair. Et puis Final Fantasy XVI, qui officiellement annonce une série de DLC, ça fait plaisir. Alors installez-vous confortablement si vous voulez tout savoir. C'est l'édition 921 de votre bistrot du jeu vidéo, et ça commence maintenant. Bon, vous l'avez compris, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, mais, il vous reste encore quelques heures, si vous êtes abonné à la chaîne, pour potentiellement participer et remporter mon concours qui vous permettra de repartir avec ce nerf Galahorn de Destiny 2. Taille réelle, regardez, la taille est énorme. Le cadeau est complètement dingue. Alors pour ce faire, je vais vous mettre le lien évidemment en description et il faut être abonné à la chaîne. Donc, il ne vous reste plus que quelques heures pour participer. À vous de jouer. Bon, là maintenant tout de suite, il y a une news. Une petite information qui me rend mais absolument bouillant, et une fois de plus, ça n'a rien à voir avec la météo. Est-ce que vous connaissez Pyoro? Pyoro, c'est un tweetos qui s'est fait connaître parce qu'il y a quelques temps de cela, il avait balancé que Nintendo allait tenir un Nintendo Direct et à l'intérieur, il allait dévoiler Super Mario Bros. Wonder. C'est impossible à imaginer, à sortir d'un chapeau comme ça, si tu n'es pas ultra bien informé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nintendo a annoncé Super Mario Bros. Wonder. Donc, tout soudainement, on se dit que ce Pyoro, on va l'écouter de près. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient de faire? Regardez, il vient d'annoncer. Eh bien, il dit, disons simplement que les fans d'une certaine fonction MATLAB seront contents, satisfaits du prochain direct. Et là, je me dis qu'il y a deux informations à l'intérieur de son petit tweet. Première information, c'est qu'a priori, un Nintendo Direct serait plus ou moins imminent. Et ça, j'ai envie de dire, ça paraît assez logique. La rentrée est propice pour des annonces de constructeurs. On se dit que PlayStation va peut-être aussi faire de même. Et deuxième information, c'est la fonction MATLAB. Alors, je suis allé voir un petit peu. C'est quoi la fonction MATLAB? Eh bien, en s'amusant à pianoter un peu, la fonction MATLAB, elle nous ramène à F0. Regardez, X égale F0, X égale F-Val, etc. Donc, la chose est quand même relativement claire. Et là, F0, quand on sait en plus à quel point c'est une licence absolument culte de Nintendo, mais Nintendo qui n'en fait globalement rien du tout depuis des années, hormis le faire revenir un petit peu dans le Nintendo Online, etc. Mais on se dit qu'ils ne nous disent pas juste un retour dans le Nintendo Online d'un vieux jeu, parce que sinon ça a déjà existé, ça n'a pas l'air d'être foufou. Est-ce qu'on pourrait se dire que peut-être Nintendo va ressortir soit une remasterisation, un remake plus précisément, d'un F-Zero antique? Quand je dis antique, c'est pas du tout péjoratif, parce que moi, le premier épisode de la Super Nintendo, c'est celui qu'on est en train de voir là, il reste dans mon cœur, mais genre à jamais, voire peut-être même la création d'un tout nouvel épisode. Eh bien, écoutez, je croise vivement les doigts, mais quand on sait à quel point Pyoro est bien informé, on se dit qu'il y a peut-être des chances pour que ça y est, ce soit enfin la bonne et que F-Zero soit de retour. Pyoro, il s'est pas arrêté là non plus, soit dit au passage, il a aussi indiqué que dans ce fameux Nintendo Direct qui pourrait arriver, nous devrions voir aussi du gameplay de ce jeu qui avait été présenté et annoncé lors du dernier Nintendo Direct en juin dernier, à savoir le jeu
Princess Peach. Et ça, ça peut être aussi très cool. Mais il ne s'est pas arrêté là non plus. Il a fait des petites références, plus ou moins claires et directes, etc., à Donkey Kong. Et moi, depuis des mois, je suis intimement persuadé que Donkey Kong va être de retour d'ici quelques temps. C'est l'une des stars du film. La deuxième zone du parc d'attractions Super Nintendo Land, c'est la zone Donkey Kong. Donc on voit que Nintendo mise vraiment sur ce personnage-là. Il faut qu'il y ait un gros jeu à côté. Eh bien écoutez, si on a un F-Zero, le jeu Princesse Peach et un Donkey Kong, plus du Super Mario Bros. Wonder et compagnie, là, je crois qu'on va être refait. Encore un petit peu de patience et d'officialisation, puisque pour l'instant, tout ceci n'est que bruit de couloir, mais bon, ça sent plutôt bon, tant il semble être bien informé. En revanche, ce dont nous allons parler maintenant, c'est totalement officiel, et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont pris du plaisir à embarquer dans l'univers de Final Fantasy XVI, puisque, eh oui, Naoki Yoshida, le producteur du jeu, a officialisé l'arrivée de DLC. Alors en l'occurrence, il y a pas mal de nouveautés qui sont en jeu, puisque, eh bien, on va commencer un petit peu avec les choses qui sont arrivées. Il a indiqué qu'en gros, il y avait une grosse mise à jour, la 1.1, qui permet, entre autres, hein, de changer l'apparence de certains personnages, dont Clive, évidemment. Il y a une nouvelle épée aussi offerte aux joueurs. Il y a de nombreux correctifs de ci, de là. L'amélioration du mode arcade, par exemple. Mais Yoshida ne s'est pas arrêté là. Non, il a rajouté encore un petit peu de sel dans cette équation, dans cette petite soupe. Puisqu'il a indiqué quoi ? Il a dit... Ce qui est ressorti particulièrement des retours des joueurs, c'est le désir de découvrir davantage l'histoire de Valistea et de passer plus de temps avec ses habitants. Pour s'adapter, l'équipe de développement a commencé à travailler sur deux DLC payants. Enfin, alors que Final Fantasy XVI est sorti en exclusivité PlayStation 5, nous sommes conscients que vous êtes nombreux à demander une version PC. Permettez-moi donc de profiter de cette occasion pour annoncer officiellement qu'un développement sur une version PC est actuellement en cours. Bref, beaucoup d'informations, la grosse mise à jour avec quelques petites nouveautés de ci, de là, et puis surtout, le lancement du développement de deux DLC payants, alors espérons qu'ils soient quand même assez consistants. Je trouve qu'il y a vraiment des zones où on peut imaginer des petits éléments supplémentaires dans la trame de FF16, hein, très clairement. On peut se dire aussi que c'est pas pour tout de suite, hein, s'ils l'annoncent maintenant et qu'ils commencent le développement maintenant, faut rien s'attendre avant... Fin 2024 ? Bon, donc on verra bien. Et enfin, dernier point, vous avez vu que ça parlait de la PS5, vous avez vu que ça parlait d'un développement sur PC aussi ultérieurement. Quid de la Xbox ? Bah écoutez, on a vu que les relations entre Square Enix et Xbox étaient rapprochées dernièrement, Final Fantasy XIV qui va arriver sur Xbox, mais bon là, il s'agissait quand même à la base d'une grosse exclusivité PS5, donc je crois que c'est pas pour tout de suite... Du moins dans la communication, il faudra encore un petit peu s'armer de patience. Final Fantasy, on risque d'en reparler très prochainement, puisque vous savez qu'il y a quand même encore plein de choses qui arrivent. Il y a du FF7 Rebirth et compagnie. 2024 risque d'être encore bien frappé du saut FF, et ce n'est pas pour me déplaire. Bon ! Alors maintenant, on va ouvrir une page hardware. Et en l'occurrence... Bah, vous l'avez probablement entendu, mais il y a pas mal de rumeurs au sujet de la PS5 Pro. Vous savez, console de milieu de génération qui arrive comme la PS4 Pro, comme la Xbox One X, pour booster un peu les capacités. C'est pas une révolution, mais c'est une machine intermédiaire entre deux générations. En revanche, du côté de Xbox, il y a eu pas mal de prises de parole de Phil Spencer qui a été questionné sur l'arrivée d'une hypothétique Xbox Series Pro, on va l'appeler comme ça, et à chaque fois, il a indiqué bah, que, à son sens, ça n'avait pas justement beaucoup de sens de le faire, etc. Ok. Mais, Microsoft pourrait bien quand même avoir une petite surprise hardware dans sa manche. Et en l'occurrence, pour le comprendre et s'en rendre compte, il faut écouter le podcast généralement bien informé Xbox Era, podcast pendant lequel eh bien, le cofondateur de l'émission a déclaré, selon ses informations, que Microsoft prévoirait de lancer une version 100% numérique de la Xbox Series X. Alors, vous le comprenez, c'est une nouvelle machine,
une nouvelle Xbox Series X, mais attention, c'est pas une pro, c'est pas une refonte totale. C'est juste finalement se dire que Xbox ferait un petit peu ce que la PS5 a fait depuis le début. La PS5, quand elle est sortie, il y avait la PS5 normale, avec lecteur de disque, et la PS5 des maths. Là où la Xbox Series X est sortie avec lecteur de disque, c'est tout, et la version numérique, c'est la Xbox Series S, mais qui est moins puissante. Eh bien, là, selon leurs informations, on pourrait donc avoir une Xbox Series X, mais sans lecteur de disque, ce qui permettrait d'avoir un prix probablement et sûrement inférieur. Ça, ça peut être intéressant. Et peut-être aussi une taille un petit peu rabotée, parce que mine de rien, un lecteur de disque, ça prend un peu de place. Et donc, on serait sur une version, alors est-ce qu'on la qualifierait de slim ou pas ? Ça reste évidemment à voir. Mais en tout cas, une petite refonte de la machine, en milieu de cycle, pour ne pas partir dans un délire de Xbox Series X Pro, mais plutôt de petites refontes pour celles et ceux qui n'auraient pas encore embarqué, qui sont attirés par le 100% numérique et qui voudraient peut-être payer aussi un petit peu moins cher. Je rappelle que PlayStation l'a fait depuis le début et que PlayStation risque d'accélérer encore dans cette optique-là avec très probablement une PS5 qui sortirait là, dès la fin d'année, avec la possibilité d'y ajouter un lecteur de disque, mais de base, 100% numérique. Et donc, Xbox pourrait visiblement prendre aussi un petit peu ce virage-là. Donc, on résume, machine qui ne serait pas une version pro, donc qui n'aurait aucune puissance supplémentaire, qui serait juste une refonte pour être vendue moins cher, et peut-être en profiter pour être un tout petit peu plus réduite en taille, en volume, et donc arriver avec un format slim qui pourrait se montrer aussi un petit peu plus séduisant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça aurait énormément de sens, franchement. Et imaginez une Xbox Series, c'est genre peut-être un tout petit peu plus petite. Parce que t'aurais moins de hauteur de lecteur de disque, tu pourrais peut-être raboter un peu là, et donc la baisser, ou un peu plus fine. Écoutez, ça pourrait être sympa, non ? Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris le virage de la nouvelle génération chez Xbox, c'est peut-être la bonne occasion. Bah, dans les commentaires, vous indiquerez si vous êtes plutôt chaud, pas concernant la température, parce qu'on est tous complètement bouillants. Cette canicule est infernale. Je veux pas faire la météo, mais a priori, là, ça va commencer à se calmer un petit peu en début de semaine. Et tant mieux, parce que on approche de la mi-septembre, là, les gars. Bientôt, dans pas si longtemps que ça, ça va être l'automne. À un moment, va peut-être falloir arrêter de déconner, hein. Le DLC hivernal, je le prends direct. En tout cas, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. J'espère que ces news vous ont rassasié. Ça a été un grand plaisir que de vous les proposer. Bah, si c'est partagé, le petit pouce vers le haut, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la première communauté de France sur YouTube sur l'actualité du jeu vidéo avec plus de 650 000 abonnés. Et puis, vous avez des vidéos qui vous attendent dans le catalogue, vous n'avez peut-être pas tout vu ce week-end, alors à très bientôt. Mais d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo, et moi je pense à F-Zero. Oh, que je croise les doigts. Oh, oh oui. Et vous aussi, non ?